Yo tout le monde, ici Smashou, j'espère que vous allez bien mes petits Smashers. Moi ça va très bien, enfin, ça va nickel, ça va nickel. Je suis là pour vous faire une annonce, deux nouvelles. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par la nouvelle qui va vous faire le plus plaisir. Je termine mon taf le 30 juin, et en juillet, je pense que ça va streamer. Voilà, j'ai envie de faire des petits streams en ce moment. Alors je sais pas encore sur quoi, il y aura sûrement une aventure Pokémon en live, je ne sais pas encore sur quel jeu, mais probablement un jeu rétro. Je ne sais pas lequel, sûrement un Nuzlocke ou autre challenge assimilé. Donc voilà, on va se faire plaisir les amis, ça va être l'occasion de faire une bonne aventure live à l'ancienne. Voilà pour la première annonce, donc ça va venir en juillet, il y aura peut-être le Blaster aussi, on a quelques idées. On a des jeux qu'on aimerait bien se refaire, alors pourquoi pas en live. Voilà. Que dire d'autre? La 3DS capture. Là voilà. Elle n'est toujours pas réparée. Je ne pense pas la faire réparer en fait. Sauf si un jour l'envie me prend de la faire réparer chez quelqu'un qui s'y connaît, mais il faudrait encore que je trouve. Quoi qu'il en soit, il n'y aura plus pour l'instant de stream sur 3DS. Et voilà, ça se concentrera uniquement sur de l'émulation ou des jeux PC, des choses comme ça. Dites-moi s'il y a des jeux... Dites-moi déjà s'il y a une aventure Pokémon que vous êtes chaud à regarder. Ou un Nuzlocke, ou un style de jeu, un challenge, tout ce que vous voulez. Dites-moi si vous avez des idées, des trucs qui vous hyperaient la gueule. Quoi qu'il en soit, Sun et Moon, au final, j'en ai pas retenu grand-chose. C'est pour ça que je suis pas plus hype que ça par Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc voilà, je sais pas ce qu'il adviendra des vidéos Pokémon sur 3DS. À mon avis, pour l'instant, ça va être mort. Mais il y a toujours l'émulation qui va me permettre de jouer à Pokémon avec vous, les amis. Voilà, donc juillet, ça va streamer. Deuxième annonce à faire, les amis. Vous savez, la plupart des Smashers, que j'ai un groupe de musique métallique du nom de Drenai. On fait du metal folk. Et on a l'occasion de participer ou non à un putain de gros festival de ouf en août qui s'appelle le Motocultor. Les métalleux d'entre vous doivent connaître. Voilà, le Motocultor a lancé une sorte de tremplin par vote. Et en fait, c'est genre pendant une semaine. On peut voter une fois pour notre groupe préféré tous les jours. Une fois tous les jours. Donc, chaque groupe, évidemment, spamme tous ses amis, etc. Et là, je me suis dit, j'ai quand même une force que les autres n'ont pas. La force des Smashers. Donc, voilà, je vous fais une petite annonce. Si vous êtes chaud pour soutenir le projet du groupe dans lequel je joue, qui s'appelle Drenai, n'hésitez pas à aller... Checkez en description, je vais mettre le lien vers le tremplin, enfin le vote, pardon, du Motocultor. Vous pouvez voter là-dessus une fois par jour pour Drenai. On est vers le bas de la liste, 7ème ligne en partant du bas. C'est écrit Drenai, Folk Metal. Faites-vous plaisir si vous voulez me soutenir dans mes projets autres que YouTube. Ce serait cool d'avoir quand même masse vote des Smashers, ça prend 3 secondes par jour, un petit vote. Et voilà. Quoi qu'il en soit, je vous dis à juillet les copains, et... On va s'enjailler. Bye tout le monde!